Chacun n'est prêtre qu'avec ses frères prêtres, prêtres diocésains, prêtres de diverses congrégations religieuses ou communautés, prêtres fidei donum, prêtres autochtones ou prêtres accueillis. Nous sommes d'origine ou de culture différente, mais tous nous sommes prêtres de Jésus-Christ, prêtres pour Jésus-Christ, prêtres comme Jésus-Christ. Chers frères prêtres, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée
et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes et martyrs. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. C'était magnifique. En fait, moi, j'ai eu l'impression de revivre un peu mon ordination sacerdotale, mais vraiment, parce que je pense que l'évêque met bien l'accent sur notre manière d'être chrétien dans le diocèse, qu'on soit prêtre, diacre ou laïque. J'ai vraiment l'impression d'être renouvelé dans cette grâce. Ça fait 10 ans que je suis prêtre bientôt, donc c'est que du bonheur et ça continue. Et ça me fait toujours la joie de voir que nous sommes nombreux et dire que nous sommes fidèles et nous devons toujours continuer à être fidèles, surtout dans ce service que nous avons reçu de Dieu. Et Monseigneur l'a bien dit, en fait, nous sommes prêtres du Christ, pour le Christ, avec le Christ. Et c'est la joie pour moi, et je pense que c'est pour tous les prêtres qui étaient à la messe, et pour bien retrouver cette joie, et surtout dans cette église entourée avec toute la communauté, toutes les communautés paroissiales. Alors bien sûr, il y a un élan de toucher le peuple de Dieu réuni autour de l'évêque, autour de tous ses prêtres, avec certains catéchumènes que j'accompagne, qui étaient présents dans cette Eucharistie, et puis un certain nombre de paroissiens. Ça donne une image de l'Église qui est belle, qui est vivante, et qui est missionnaire, qui accueille et qui envoie en mission. Ça me marque à chaque fois profondément, c'est ma 7e année cette année, et de dire voilà, que notre jour d'ordination est toujours renouvelé, chaque jour même, mais en particulier à la messe chrismale, pour nous permettre de dire voilà, qu'on est vraiment ordonné pour le service du Christ, pour, comme disait l'évêque tout à l'heure, pour devenir comme le Christ et pour le Christ. Et je rends grâce au Seigneur aussi pour cette messe, pour retrouver aussi tous mes confrères de prêtres dans cette célébration solennelle.